Nous voilà, 10h50 à Fontainebleau, le départ va être lancé. Nous sommes 80 environ partants et nous sommes partis pour 80 km. Et là vous allez voir, j'ai fait un vieux départ au début, mais regardez, regardez ce qui va se passer avec le coureur qui est juste devant moi, Jules Pilon, le coureur de la pédale fertoise avec son vélo La Pierre. Là j'attaque. Voilà, 30 secondes de course. Et Lucas Nolus attaque. Exceptionnel. Et là, regardez Jules quand il va me passer. Et oui, moi j'étais en train de me taper une barre. Parce que regardez Jules, il emmène. Il sprint. Il est déjà à fond. Ah, je suis désolé. On a fait le départ avec Jules. Pourquoi on a fait le départ? Tout simplement, 2-3 jours avant. C'était le vendredi soir, donc 2 jours avant la course. On avait fait une petite soirée en fait avec Aymeric Rofflet, le coureur de la pédale fertoise, et Jules Pilon, également le coureur de la pédale fertoise. Et sur un coup de tête, lors du bowling, j'ai dit à Jules, viens on fait le départ, viens on fait le kilomètre zéro à Fontainebleau. Aymeric, il voulait pas, du coup j'ai serré la main qu'à Jules, on a tenu notre parole, et voilà, c'est fait, on est en échappé. Alors, de base, ce qu'on s'était dit, c'est, viens on fait un tour à bloc, voilà, ça fait à peu près 5 bornes le tour. Et après, on regarde ce que ça donne. Mais vous allez voir que, en fait, on avait pas mal d'avance déjà. Alors, faut noter quand même que sur ce parcours à Fontainebleau, c'est un circuit quand même très roulant. Pour vous donner une information, on a fait plus de 41 de moyenne. Là, j'étais encore en train de me taper des barres avec ce départ. Et je lui ai dit, écoute, viens, on se calme un petit peu, on gère. Voilà, faut pas non plus se donner à fond. Mais quand on a vu que le peloton... Il était quand même pas mal loin au début, hein, il était assez loin. Je lui ai dit, vas-y, viens, on continue. Donc là, voilà, je lui dis, allez, de temps en temps, pour l'encourager. Parce que Jules, il était déjà à bloc. C'était trop drôle. Du coup, les sportifs, je vais vous laisser le premier tour en accéléré. Et on se retrouvera un peu plus tard lors de cette course. Me revoilà, donc vous avez pu constater qu'avec Jules, on passe quand même des gros relais appuyés, histoire de creuser lors de ce premier tour. Alors, j'ai pas la fin du premier tour, parce que bon, j'ai vu qu'on avait vite creusé, du coup ça sert à rien de continuer de filmer. Juste pour vous donner une ordre d'idée, on a fait 2-3 tours en échappé à 2, ce qui vaut à peu près à 15 bornes environ à 2. Et vous allez voir, un peu plus tard dans la course, on va se faire reprendre par un contre de 7 coureurs, il me semble. Regardez. Et oui, nous voilà environ à 50 km de l'arrivée. On a dû faire 30 bornes environ. Et là, nous sommes 9 coureurs. On va vite être 8 coureurs parce que le coureur de UC Longjumeloise, désolé, je suis en train de lire parce que je galère à dire leur club. En tout cas, il a sauté. Au bout d'un tour, deux tours avec nous, il a sauté. Donc, on s'est vite retrouvé plus qu'à 8 coureurs avec notamment 2 coureurs de Fontainebleau. Comme vous pouvez le constater, voilà, je passe quand même encore des relais, hein, sachant que j'étais quand même cramé là, parce que bon, à deux c'était galère. Juste devant moi, le coureur du Team Peltrac, c'est Grégory Ortiz, le coureur de Fontainebleau qui vient de passer le Dossard 33, Denis Chagot. Il y a également son coéquipier, le Dossard 36, Loïc Jaguar. Il y a Christophe Mallet, le coureur de Montgeron. Il y a le coureur de Troyes également qui était en échappée, Mathieu Godichaud. Et il me semble que j'ai dit tout le monde, hormis le coureur du PCO, Tom Even. Donc voilà, donc j'ai cité tout le monde. Je vais vous parler du coup plus en détail, en tout cas en ce qui me concerne, de mon échappée. Faut savoir que j'ai géré, voilà, durant cette course. Quand on était parti à deux avec Jules, on s'est pas mis non plus minable. On savait qu'on allait se faire reprendre, parce que si on allait aller au bout à deux, en faisant le kilomètre zéro, c'est qu'on était vraiment très fort et que derrière ça roulait pas tellement. En tout cas là, tout ce que je peux vous dire, c'est que le peloton, durant toute la course, il était à peu près entre 15 et 40 secondes de nous. On n'a jamais pris plus de 40 secondes d'avance, il me semble. Alors après, est-ce qu'on va aller au bout? Je sais pas. En tout cas, on a pris une belle avance pour le moment lors de ces 30 premiers kilomètres. Alors là, on arrive au virage de l'arrivée. Retenez bien ce virage parce qu'il va être très important, en tout cas dans cette course, dans cette vidéo, en ce qui concerne le placement. J'espère que vous l'avez bien retenu. Après ce virage, il y a une grande relance, vent de face. C'est vrai que l'arrivée vent de face n'était pas géniale.
Et c'est pour ça que le tempo il est en train un peu de ralentir dans cette échappée. Juste, je voulais vous informer un peu hors sujet, c'est normal s'il n'y a pas les données sur la vidéo. Tout simplement, pour tous ceux qui ont un compteur Brighton, force à vous, parce que j'en ai un. Et c'est vrai que sur Strava, le problème, c'est que ça se met pas directement sur Strava. Pour que ça se mette sur Strava, on doit passer par l'application Brighton. Et cette application-là, en fait, elle se synchronise normalement avec Strava, sauf que ça marche une fois sur 10. Du coup, me demandez pas pourquoi il n'y a pas les données, je sais que c'est un peu plus moche. Mais vous inquiétez pas, dès qu'il y a les données, ça veut dire que la synchronisation avec mon compteur a marché sur Strava. Allez, donc là, on arrive bientôt sur la ligne d'arrivée. Le coureur du PCO qui vient de s'écarter, qui demande un relais à Grégory Ortiz. Grégory Ortiz qui passe un petit relais. Moi, je vais passer ma part de relais comme tout le monde. La ligne d'arrivée, elle est juste au bout. Bon, alors là, c'est vrai que je passais un assez long relais. Hein, parce que moi, je voulais vraiment pas que le peloton revienne. En tout cas, là, c'est Jules Pilon qui prend le relais, le coureur de 3. Vous pouvez voir que là, on passe sur la ligne d'arrivée. Il reste à peu près 13 tours. Donc, on est vraiment au tout début de la course. Nous sommes dans la période où on doit creuser l'écart avec le peloton. Et vous pouvez le voir qu'on s'entend tous très bien. En tout cas, pour le moment. Est-ce que, à la fin de la course, est-ce qu'on va toujours bien s'entendre? Je vous rappelle, on n'est plus que 8 coureurs. On n'est plus 9, on n'est plus que 8 coureurs. Est-ce qu'on va s'entendre jusqu'au bout? Est-ce qu'on va aller au bout? Est-ce que le peloton va revenir? Est-ce que ça s'entend dans le peloton? Qui roule dans le peloton? Je peux juste vous dire que ceux qui ont roulé toute la course dans le peloton, c'est un nouveau club. Les maillots gris du Team Cycliste Échappé 77 qui ont roulé toute la course. Alors, juste de ce qu'on m'a dit, hein, parce que j'ai eu des retours, apparemment ils ont roulé sur nous parce qu'ils avaient personne. C'est vrai qu'ils étaient beaucoup, mais pourquoi rouler sur nous si c'est pour amener tout le peloton? À la limite, attaquer chacun votre tour, je sais pas, faites un sprint sur 500 mètres, vous partez à deux du club et vous essayez de revenir sur l'échappé. Parce que là, si vous roulez à 5-6, bah nous on est 8 coureurs. Sachant que nous, là on est actuellement à peu près à 90%. Derrière, faut être à 100%. Et vu qu'on avait à peu près une trentaine de secondes d'avance, il fallait rouler vraiment à vive allure derrière. Et oui, vous l'avez bien entendu, on est encore devant. Regardez, vous voyez la voiture ouvreuse et vous l'avez très bien entendu. La cloche a retenti. Alors est-ce que on est en train d'emmener le peloton? Eh ben non, on est toujours en échappée. Sachant que j'ai fait le kilomètre zéro, je suis toujours devant. Attention, en revanche, nous sommes plus 8 coureurs. Vous allez le constater de toute façon, nous sommes plus que 4 coureurs. Avec le sprinter, le féroce, Grégory Ortiz, le coureur du Team Peltrax, un ancien champion de France. Avec le tout jeune coureur du PCO, le dossard 19, Tom Even. Bon là, je suis en train d'essuyer de la caméra. Parce que je voulais quand même qu'on voit bien l'arrivée. Parce que pour ceux qui regardaient la vidéo de Chauffry, j'avais pas l'arrivée, la caméra elle a bugué. Et là je voulais vraiment bien voir l'arrivée. Là j'encourage les trois autres coureurs qui sont dans l'échappée. Parce que les gars, le peloton, ils sont juste derrière. Ils sont plus qu'à une quinzaine, dizaine de secondes. C'est vrai que le peloton, à la fin, ils sont revenus comme des balles. Et nous, devant, on était un peu cramés. La pluie, vous avez pu le constater, s'est invitée dans les 2-3 derniers tours. Donc c'était de la petite pluie. Mais du coup, attention, parce que le terrain, il est plus sec, mais il est mouillé. Et attention, parce que les bandes blanches, vous l'avez bien vu tout à l'heure, au début de la vidéo, je vous ai dit, retenez bien le dernier virage de la ligne d'arrivée, parce qu'il va être important. Et là, vous l'avez bien entendu, j'ai dit, les gars, faut pas se regarder, parce que le peloton, je vous l'ai dit, ils étaient plus très loin, et il suffit qu'on se regarde sur 500 mètres, 1 km, à 30 km/h, c'est sûr et certain que le peloton allait rouler. Surtout, du coup, vu que c'était des grandes lignes droites, et bah, ils nous voyaient en point de mire. Alors là, je vais vous parler un peu de ma stratégie. Tout simplement, ma stratégie, c'est que je savais que le coureur du Team Peltrax, c'était clairement le plus fort au sprint. Je me suis dit, est-ce que j'arrête de passer des relais, sachant que le peloton, ils sont juste derrière. Jules, d'ailleurs, je repense à toi, dommage que tu t'es fait reprendre par le peloton à 2 km quand on a commencé à s'attaquer un peu dans l'échappée, parce que, oui, pour ceux qui savent pas, c'est vrai que je l'ai pas expliqué, mais c'est moi qui a commencé à foutre la pagaille dans l'échappée à 4-5 tours de la ligne d'arrivée, parce que je savais que Grégory Ortiz, le coureur du Team Peltrax, c'était un bon sprinter, voire le meilleur sprinter actuel en D1, je savais que j'allais me faire défoncer. Et du coup, à 4 tours, 5 tours de la ligne d'arrivée, je décide de mettre que des attaques. Que des attaques, sauf qu'à un bout d'un moment, je me suis fait avoir, parce que le coureur de Fontainebleau et du PCO sont partis en facteur, et à force d'attaquer, tout le monde était en train de me regarder dans ma roue.
et eux ils partaient en facteur. Grégory Ortiz était dans ma roue, il passait pas. On se regarde, je vois les deux coureurs qui sont en train de partir. Je me mets à droite, les 5-6 autres coureurs se mettent à gauche quand on était encore 8, et moi je suis à droite. J'avance plus, mais j'ai à peu près 2-3 mètres d'avance. Et là je me retourne, je lève le bras, je leur dis bon les gars faut avancer, le peloton ils sont plus loin. Et là bim, j'en mets une directe. Et là, personne n'a pris ma roue. Je rejoins les deux autres coureurs. Et derrière, je vois Grégory Ortiz. Il a mis une mine à tous les autres coureurs de l'échappée. Et du coup, c'est comme ça que le groupe de 4 s'est formé dans les derniers tours. C'est à cause de moi, parce que voilà, on a foutu la pagaille. Mais le problème, c'est que le sprinter, Grégory Ortiz, est toujours présent. Je me suis dit, bon Lucas, ça va être très compliqué. On arrive à 2 km, même pas 1 km bientôt de l'arrivée. Et là, vous allez le voir, on commence à se regarder. Le virage, le dernier virage que je vous parle depuis tout à l'heure, il est juste en bas de ce faux plat descendant. Vous pouvez le voir que le sprinter, Grégory Ortiz, ça faisait déjà 500 mètres qu'il roulait plus, il passait plus de relais. Et oui, parce que c'est un sprinter, et les sprinters, même s'ils se font reprendre à la limite par le peloton, il peut quand même gagner la course. Alors là, ma stratégie, c'est quoi? C'est passer le virage en tête, le dernier virage, avec le vent de face. C'est vrai que c'est pas un bon choix. Mais là, je me suis dit, Lucas, tu vas tout doucement et tu fais une grosse relance. Là, maintenant. Et je vois le vent, je fais non. Là, Lucas, tu vas redescendre ta vitesse à moins de 30 km/h. Donc là, on n'avance plus. Sachant que le peloton, ils sont juste derrière nous. Et là, il y a le coureur de Fontainebleau qui est juste en face de moi. On est trois. Trois sur la même ligne, le coureur du PCO. Et Grégory Ortiz qui est dans ma roue. Et là, regardez, j'accélère. Je surprends tout le monde. Très loin de la ligne d'arrivée. Il nous reste 400 mètres, 500 mètres environ. Regardez, je suis toujours debout. J'avais pris une vingtaine de mètres d'avance sur le coureur du PCO et le coureur du Peltrax, Grégory Ortiz. Parce que malheureusement, le coureur de Fontainebleau a explosé tout de suite lors de ce sprint. Je suis toujours en tête. Je crois que là, je peux gagner. Je suis encore debout. Je tiens le coup. Mais je me retourne. Et là, je vois que le coureur du PCO, il est à 10 mètres de moi. Il revient avec le coureur du Peltrax. Et là, regardez, je me rassois. Et il fallait surtout pas que je me rassoive parce que du coup, bah, c'était terminé. Et je termine du coup 3e de cette course. Vous l'aurez bien compris. Malheureusement, je l'ai lancé de trop loin. J'ai voulu surprendre. J'ai voulu jouer. J'ai été joueur. Malheureusement, le kilomètre zéro m'aura fait du mal lors de cette arrivée. Et ça m'est resté un peu dans les jambes. Je vous laisse du coup avec l'impression et l'analyse en direct de la course. Alors, regarde le sprinter qu'il est, tu fais jouer le gros. Tu fais 3. Déjà. Je crois. Arrêtez-moi, je peux pas gagner. C'est nous, mec. Ah putain. Et voilà. Oh Lucas, il fait 3. Voilà. Voilà. C'est bien Lulu! Putain, ça revient fort en derrière. Regarde. Le vert. C'est une machine. Ah ouais. Allez au bas, allez, allez au bas! Beau sprint! Ouais, beau sprint! Bien joué! Il est où, j'y sais, je l'ai pas vu. Si, si, il est à la fin. Mais j'ai pas vu mon fils, moi. Il est passé, ouais, fils. Mon fils, ah, c'est... Tu...